Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Transport Fever. Alors aujourd'hui, on va commencer une chaîne très complexe. On peut voir que Duclair a besoin de carburant. Montluçon a besoin de carburant. Il y a une autre ville qui a besoin de carburant. J'en ai vu une autre. C'est Cesta qui a besoin de carburant. Fumel a besoin de carburant. Niort a besoin de carburant. Enfin voilà, il y a beaucoup de villes qui ont besoin de carburant. Et donc on va produire du carburant. Pour produire du carburant, il nous faut du pétrole brut. On en a ici. Et on en a quelques puits aussi le long du parcours. On en a un ici. Alors c'est pas les plus faciles à prendre. Je vais pas vous cacher, ils sont pas faciles à prendre. Mais on va pouvoir les prendre quand même. J'ai déjà réfléchi à des solutions. Mais il y a des gros travaux de terrassement et tout à faire. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Enfin, on va juste regarder ici. Ouais, ça produit bien, c'est cool. Alors vous avez vu que ici il y a la production d'essence. On y reviendra plus tard. Parce que pour faire du pétrole, de l'essence, il faut du pétrole raffiné. Et le pétrole raffiné, on en a une production ici. On a de la production de pétrole raffiné ici. Et ensuite, de pétrole raffiné, on amène là-bas, ça fait du pétrole, ça fait de l'essence. Et donc là, on peut déjà produire du pétrole brut ici. Et après, voilà. Mais du coup, pour faire tout ça, on va sûrement utiliser pas mal de trains quand même. On va quand même utiliser le plus possible le train. Vous savez que je préfère largement le train. Et donc, on va terraformer par ici. Alors attends. On va mettre en pause. Pause. On va détruire la voie ici. Pour essayer de casser la montée là. On va essayer de se mettre le plus possible sur du plat. Donc la voie à 120. Hop, à 120, non électrifié. On est... Ouais, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Ouais, c'est encore un peu bombé, mais bon, je crois qu'on pourra pas faire mieux, beaucoup mieux. Et donc là maintenant l'idée ça va être de terraformer à partir d'ici. Clac. Taille du pinceau maximum, force maximum, clac. Alors ça coûte un peu cher mais bon, c'est pas trop grave. Ouais, c'est relativement plat, c'est bien. Vous inquiétez pas, vous connaissez la musique. Après on va lisser un peu le truc. Mais là du coup on va pouvoir placer une gare marchandises. Alors marchandises c'est ici. Non électrifié. On va mettre... Alors, il faudrait qu'on puisse... On va déposer... Et recharger. On va mettre une longueur de 160 mètres. C'est suffisant pour le moment. Ou alors, on peut mettre directement 240. Ou on va mettre directement 240, c'est mieux.
Et parce qu'après ça servira aussi pour celle-là en fait. Donc pour ça, donc on va mettre ça. On va mettre du coup 4 quais, je pense. Ouais, on va faire ça, on va mettre 4 quais. Et donc bah l'idée maintenant c'est de le mettre ici. Dans ce qu'on vient de faire en fait. Un peu plus loin. Voilà, comme ça si on veut rajouter des quais plus tard on pourra. Là ça fait le même bug que d'habitude. On a toujours ce bug dégueulasse, c'est chiant. Voilà. Ensuite on va lisser tout de suite le reste. Ça on va lisser, ça on lisse, ça on lisse, ça on lisse. Ça on va recreuser un peu. Parce que c'est collé à la porte du coup. Et ensuite on lisse. Voilà, parfait. Et donc maintenant il faut faire les voies de raccordement à la voie ferrée. Et après on fera les routes. Qui mèneront. J'ai bien envie. Ouais, on va. Pourquoi ça a pas pris? J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah, par contre, il faut pas traîner parce qu'après il y a le tunnel quoi. Donc on va directement partir comme ça et les aiguilles seront en courbe. À 100, c'est très bien. Et lui, et lui comme ça avec une petite comme ça. Pour repartir. Voilà. Et là pareil, une comme ça. Clac. Et donc du coup, toi, TJD, oui. Ok. Parfait. Et donc après, il faut aller rejoindre la voie. Non, c'est là. Bah du coup on va le faire en manuel à partir d'ici. Alors clac. Voilà. Hop. On va mettre à 100 km/h, c'est pas grave. Hop là. Parfait. Et donc on va mettre la deuxième. On va déjà ralentir à 100 km/h ici. Et voilà. Donc on va juste changer les signaux de place. Clac, on peut remettre le jeu en x2. On va mettre les, on va changer les signaux de place. Alors, clac. Alors, un là. Un là. Alors qu'on voit une petite voiture passer. Et du coup, ensuite, un là. Ok. En bout, on va mettre des petits dépôts pour pouvoir faire sortir nos trains comme on veut.
non électrifié. Et hop. Et on va du coup re-terraformer tout ça. On va partir d'ici. Voilà. Un petit coup comme ça. Voilà, parfait. Et donc là, on a notre voie qui vient là. Ensuite, il faut mettre une route. Alors, ça coûte un peu cher, mais bon, on a 616 millions. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, clac. Toi là. Ensuite, je verrais bien. Le bâtiment. Ça. Le mettre en bout comme ça. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous allez voir. On va configurer. Marchandises. Non, là ça passe pas. S'il y a besoin de plus de quais plus tard, on retarraformera et on remettra plus de quais, mais pour l'instant. Et donc du coup, ensuite, après, on remet un accès routier ici. Et donc en fait, le quai de déchargement, c'est un accès routier. Et donc maintenant, le plus drôle, la montée jusqu'à l'usine qui est en haut là. Bon, ça devrait pas être très compliqué en vrai. On est au max de la montée, ok. Ok, ça monte très bien. Ah d'accord, là il y a une bosse. Ah ouais, il y a une bosse. Si je fais ça, ça fait quoi? Ouais, je préfère ça, perso. Hop, et voilà. Et donc du coup, on arrive là. Et ici, on met, pareil, un accès routier. Où est-ce qu'on va le mettre? Parce que là, du coup, pareil, c'est chargement et déchargement. On peut mettre un seul, déjà. Parce que, pareil, ce sera un camion qui fera... Enfin, une ligne de camion qui fera tout. Collision. Voilà, parfait. Et donc configurer. Ouais, je vous dis, ça va prendre du temps. Là, on a fait ça. Ah, ça passe pas par là. Ok. Voilà. On va pas faire plus long. Donc, bon, on va déjà faire cette ligne-là. Hein. Nouvelle ligne. On va pas installer tout de suite les camions, mais au moins la ligne est faite. Clac et clac. Et donc ça, c'est pétrole. Brut plus. Ah non, faut pas que j'appuie sur plus. Quel boulet. On va mettre et raffiné parce que c'est une de mes actions pour Steam et j'ai un peu pas pour Steam mais pour OBS et j'ai un peu peur que ça fasse tout bugger. Pétrole brut et raffiné 6 tonnes. Ok. Ensuite, donc il faut amener tout ce pétrole ici. Enfin, amener le pétrole raffiné. Bah déjà, il y a la ligne, il y a le... Il y a la route là en bas. On va faire une bif ici. Ah oui, non, du coup... Ah non, j'aurais dû mettre deux quais. My bad. Bon bah, tant pis. Bon, ça devra aller quand même.
Voilà. Et donc du coup, normalement il y avait deux lignes. Bon, c'est pas très grave. Au pire, je peux faire une ligne de l'autre côté, hein, si je veux. Et donc du coup, on peut amener du pétrole. Ah punaise, ça construit là, ça m'énerve. Ça l'a fait en off, j'ai fait non, stop, je ne veux pas. Et ben, ça fait toujours. C'est chiant. Donc du coup, pour éviter ça, on va mettre le bâtiment ici. On va mettre la... où est-ce que je peux vraiment me mettre pour que ça fasse pas trop dégueulasse? Ah, on peut se mettre là, sinon pas que ça fasse trop dégueulasse. Hop. Et donc configurer. On va voir si on peut mettre un quai marchandise ici. Oui, on peut. Là par contre, on ne peut pas plus. Voilà. Juste à côté de l'entrée de la voie ferrée. Et donc on peut faire la nouvelle ligne aussi d'ici. Clac. Et clac. Et donc ça c'est pétrole brut. Pétrole brut. On va mettre cavaillon. Hop. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va amener encore un peu plus de pétrole brut, mais on va déjà faire la partie pour décharger ce pétrole brut et le transformer en carbu. Et là, vous allez voir que ça va coûter extrêmement cher. Ce que j'ai prévu de faire, ça va coûter extrêmement cher, alors que on n'avance pas dans le temps. Ah si, on avance. Je suis en x2, on va mettre en x3. Parce que l'idée, alors on va déjà faire configurer. Ouais, pareil, il va falloir que j'ajoute des trains sur la ligne parce que c'est le bordel. Clac. Ça, ça vire. Et du coup, rail. Rail normaux. En fait, c'est la seule solution que j'ai trouvée à peu près valable. Mais du coup, il va y avoir de la terraformation à mort. Il va y avoir beaucoup de terraformation à faire. D'ailleurs, est-ce que j'aurais pas pu faire plutôt... attends, bah non, j'ai fait une connerie là. On va mettre le quai marchandise. Attends, je vais vérifier un truc avant. Je voudrais vérifier un truc avant. Pour déposer du carbu. Là, il va falloir un train spécial. Là, pareil, il faudra limite deux trains. Et après, par contre, par ici, on pourra décharger ici et tout dispatcher, quoi. Même pour Cesta, quoi. Et E2, bah au pire, E2, il faudrait que je fasse une pareil, un endroit commun. Je pense plutôt en gare ici. La gare ici, et donc il faudrait deux voies, en fait. Il faudrait deux voies. Là-haut. Donc effectivement, c'est peut-être mieux que je mette d'abord un quai de marchandises ici, collé à la au quai voyageur. Vous inquiétez pas, je pense que vous êtes déjà en train de vous dire mais c'est moche, arrête, c'est moche. Mais je vais tout refaire, vous inquiétez pas. Je vais faire de la terraformation pour rendre ça plus joli et tout. Là, c'est vrai que c'est vraiment au bord du précipice. Et donc du coup, quai, un nouveau quai de marchandises.
Voilà. Et ensuite, un bâtiment marchandises. On va en mettre un petit parce que vu la place qu'on a... Oh, on a un nouveau bus, ok, cool. Clac, voilà. Et ensuite, c'est là que la terraformation rentre en jeu. Ça va nous coûter une fortune, ça c'est clair, net et précis. Mais c'est un peu la seule solution. J'ai cherché pendant un petit moment une solution. Mais j'ai rien trouvé. Franchement, j'ai rien trouvé. J'ai eu beau chercher. J'ai pas trouvé quoi. Là, j'avoue, c'est vraiment moche. C'est dommage que ça fasse pas des falaises quand tu fais ça. S'il y avait des falaises, ça serait joli, tu vois. Parce que là, du coup, tu vois, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça. D'ailleurs, on va enlever les arbres. Taille du pinceau, clac. Voilà. Pour me faire de la place. Voilà. Oh, on est même pas au niveau. T'es sérieux là? Je viens de terraformer tout ça pour rien. Super. Ah, en fait, il veut pas me terraformer. Bon, c'est pas grave. Bon, avec la route, ça va le faire. Rue. Voilà, avec la rue, c'est bon. Clac. Par là, on va mettre la zone de déchargement. Bâtiment. À deux... Non, une voie, c'est suffisant. Parce que pareil, c'est un seul qui fera les deux, donc... un seul, 30 mètres au maximum, c'est bon. Ah, je sais que ça, ce que je fais, ça va faire jaser beaucoup de gens, je pense. Ça va faire jaser certaines personnes, mais... Tant pis. Je le fais parce que c'est un peu la seule option que j'ai. Alors, marchandises, clac. Ok. Ok, on est au maximum. Et donc maintenant, on va relier la voie ferrée. Alors, rail. Clac. On va fermer ça provisoirement. Alors, pourquoi ça veut pas venir se coller? Parce qu'on est plus haut? Hein, what? Ah oui, non, c'est bon. Un pont. Est-ce qu'il y a un... Bah, le même pont, il faudrait. Alors, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. C'est lequel? Ah, c'est celui-là. Ah, mais là ça fait moche. Comment je peux faire pour arriver à rejoindre la voie? Bah, je crois qu'il va falloir faire une voie à 30. Hein. À 30 km/h. En étant très serré.
faisant un S comme ça, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et ensuite, du coup, on peut longer un peu. Faire une quatrième voie. Du coup, peut-être la passer à 100, celle-là. Ou du moins à 90. Et ensuite, se raccorder. Bah du coup non, 70 du coup. 70 sinon ça passe pas. Hop. Là, on repasse une voie à 30. On quitte ici. Et bah là on va rester à 70 parce que de toute façon... Hop. Ah zut, ça passe pas avec la route. Ah merde. Merde, 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 merde. Bon, on va détruire la route. On va détruire ce morceau-là de route. La voie claque. Et la route. Route. Rue. Claque. Ouais, du coup, il arrête de monter, donc c'est pas cool. Alors, faut continuer à monter très fort, du coup. Au maximum. Clac. Et ensuite, alors ça va être un peu moins beau, je pense, mais pas trop le choix. Et donc on va essayer de relier ça à ça. Non, ça passe toujours pas. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser un peu en dessous. Hop. Alors, tac du pinceau, claque, claque. On va falloir faire grand. Hop là. Et du coup, route. Hop, on passe en dessous. Hop, et là pareil, une route comme ça. Ok, validé. Voilà, bah de toute façon on n'avait pas le choix, donc on a été obligé de faire comme ça. Et donc maintenant on peut finir notre voie ferrée d'ici, qui va venir s'embrancher ici. Ok. Et du coup de l'autre côté...
Alors de l'autre côté, on va supprimer ce signal là. On va supprimer l'aiguille qui est là. Et c'est bon. Voilà. Et donc du coup à la sortie ici, on fait un croisement. Et pareil par là. Le croisement on va faire sur le pont parce que sinon ça va être la merde. Clac. Et clac. Voilà. Bon, faut juste espérer que les trains se suivent pas trop. Et donc maintenant, je pense que vous attendez tous que je terraforme. Avant ça, on va faire ça. Puis après, on se quittera, on a 31 minutes. Je vous dis que ça va durer sur plusieurs épisodes, hein, je pense. Clac. Et clac. Ok. Et après, à partir d'ici. Hop. Alors l'idée en faisant ça, c'est essayer d'éviter la ville. Essayer d'éviter de faire passer des camions en ville. Et ça a l'air de fonctionner. On va pouvoir le faire. Hop. On est trop bas? Ah ouais, je redescends à la merde. Mais c'est juste que là, on est tellement près de l'usine que ça fait le truc dégueulasse. Donc là, j'ai envie de faire ça. On va faire une courbe comme ça. Et on va venir essayer de se raccorder ici. Comme ça. Ok. Et maintenant, ce que vous attendez tous, la terraformation. Donc en grand. Voilà, déjà ici, c'est réglé. Et c'est là qu'on va s'amuser, je pense. Donc, on va faire des stats. Hop. Clac. Voilà. Et donc maintenant, grand. Ah oui, j'ai pas agrandi là avant de. Hop.
Alors, ça coûte une fortune, mais bon. Ouais, c'est un peu dur à rattraper quand même. Je pensais que j'allais mieux y arriver que ça. Voilà. Bon, c'est un petit peu mieux, même si c'est encore... On a encore ce genre de strat là qui est dégueulasse, mais je crois que je pourrais pas le rattraper ça. Ou alors il faut que je décale ma route, ce qu'on va faire. On va décaler la route. La route on la refera en fonction de. En fonction d'eux, mais là pour l'instant il faut que je rattrape ça. Hop. Et égaliser. Voilà. Et donc ma route, ça va être très drôle de la replacer maintenant. Vu que j'arrive proche de l'eau. Elle va juste longer le bord comme ça. Et ensuite rentrer comme ça. Et voilà, là on est pas mal. Et puis bah au pire, pour que ça cache un petit peu, parce que c'est vrai que c'est pas encore non plus le top, on peut mettre quelques arbres. Alors, éléments. Voilà. Parfait. Oh, ça se voit presque plus. Honnêtement, faut savoir que c'était... Faut savoir, quoi. De toute façon, je crois que j'ai... Honnêtement, j'avais pas trop le choix, donc... Si je voulais faire ce que j'avais envie de faire, j'avais pas trop le choix. Voilà. Ok, du coup, on est bon, là. Bon, bah, du coup, on a 38 minutes de vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Alors que oui, on est en guerre, c'est vrai. Seconde guerre mondiale. On y est, en 40. Du coup, oui, si vous voulez aider qu'est-ce que je disais? Oh là, ça y est, j'ai vu le 40, ça y est, je suis perturbé. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire sur le type ou Tipeee, les liens sont en description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, moi ça m'apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.